attaque. Plus l'attaque de char à Jordan. C'est incroyable. Oui, mais ils ont quand même réussi à faire 4 ou 5 blessés à Jordan. Ouais. Dans un char, il y a le canon qui a pété. Le char s'est arrêté. Les mecs sont venus avec les brancards, ça faisait vachement vrai. Je vous dis, ouais, ça. Et après, je t'ai fait un tour à défendre 4 secondes. Ça pue la graisse, ça pue, tu as sur tes noirs, t'es cabossé. Le capitaine, commandant le sous-secteur, a transmis un ordre écrit à son lieutenant, commandant la tranchée. Notre corps franc en patrouille près des lignes ennemies nous a signalé une pièce d'artillerie se dirigeant vers notre secteur. Nous craignons qu'elle soit approvisionnée d'obus à gaz. Formez une patrouille et allez observer pour déterminer avec précision la mission confiée par le capitaine commandant l'unité. 6 hommes se portent volontaires. Que ça manque d'encre. Hein. Ils ne savent pas ce que ça fait une MG34 quand ça trace. Hein. Pas encore. Le groupe d'hommes se dirige vers un point situé près de leur position et d'où il lui sera possible d'observer les mouvements de l'ennemi. Suffit pour descendre le mec. J'ai dit, moi je choisis l'infanterie allemande tout de suite, là, je les vois. Moi. Non, non, moi les troupes de forteresse, un petit observatoire tranquille, quelque part à 4 jours. Il y a du LM en haut. Il va plus passer sur son aile. Allô, gendarmerie. Déjà. Et ça continue là ou c'est quoi là? Allez. Mais encore. T'as pas vu qu'en face ils ont déjà deux morts, morts de deux.
tu gardes les mêmes éléments. Bon, surtout pour retarder par le contraire. Tu gardes les mêmes éléments. Ça fait une demi-heure. C'est la tactique du lièvre. Ouais. Ça, c'est bien français, ça. C'est comme dans l'armée italienne, ils auront trouvé des talonnettes devant. Maintenant, t'as le soleil, il se bat. C'est incroyable, le soleil il se bat. Le pauvre commandant, il est tout seul. Ta caméra. Sébastien Coyeur, ta caméra. Il l'aura dans la caméra. Caméra kaki, merde, ça existe. Trois tons avec CERN.